Salut tout le monde, c'est Antox et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour le débrief entre Liverpool et l'AS Roma. Que dire de ce match? Sincèrement, l'AS Roma, j'ai pas cru qu'il mettrait une grosse pression à Liverpool. J'ai pas cru une seconde. Hein. Et pourtant, ils l'ont fait. 4 buts à 2, la fin du match. Ce qui signifie que il leur manquait un but pour arracher les prolongations et un but pour tout simplement essayer de battre Liverpool. Malheureusement, ce ne s'est pas fait. Malheureusement, pour eux, Liverpool est en finale. J'aime bien Liverpool aussi, donc je suis content pour Liverpool également. Après, ça va être une belle finale. Ça va être une belle finale, on va pas se mentir. J'espère qu'il y aura un bon arbitrage durant la finale. Certes, j'ai été content de la qualification du Real Madrid, mais on va pas se mentir, pour moi il y a eu penalty sur la main de Marcelo. Pour moi il y a eu penalty. Hein. Après c'est le foot. Hein. Mohamed Salah, il était bon durant ce match. Firmino, il était bon, mais il manquait par définition. Mané, t'as été bon. Je crois qu'il a même marqué. Ensuite, niveau de l'AS Roma, que dire de l'AS Roma? Nainggolan, il a été bon. Strootman, il a été bon. Dzeko, il a été bon. Dans les deux matchs, il a été bon, Dzeko, de toute façon. On va pas se mentir. Puis même les joueurs français de l'AS Roma, je me rappelle plus de leur nom. Je sais qu'il y a Gonalon, pardon, mais l'autre, je me rappelle jamais de son nom. Enfin bref, les deux joueurs de l'AS Roma, ouais, les deux français qui jouent à l'AS Roma, ils ont été bons. Quatre buts à deux, alors que il perdait 2 buts à 1, c'est ça qui est incroyable. Il perdait 2 buts à 1 et ça faisait 7-3 au total. Ils ont essayé de remonter, mais malheureusement, 3 buts c'est pas assez. Par conséquent, bah, Liverpool est en finale. Je ne sais plus où la finale va se passer, mais j'espère sincèrement qu'il y aura une belle finale de Champions League. Bon, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker. Salut tout le monde, à la prochaine.